tenté par le Light Ultra Club, le party officiel de l'organisation Instinct ce soir. The next bout of the evening is in the Instinct middleweight division. This bout is proudly brought to you by Light Ultra Club. Join us tonight for the official Instinct after fight party. Ce combat est prévu pour trois rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for three rounds of 5 minutes. L'arbitre, the referee, Marc-André Côté. Tout le monde en point, bad boy. Portant la couleur noire et rouge et pesant 184.6 livres. Introducing first, fighting out of the bad boy corner, wearing black trunks with red trims and weighing in at 184.6 pounds. Il a une fiche professionnelle de 18 victoires, dont 12 par KO et 5 par soumission en 24 combats. His professional record shows 18 wins, including 12 by way of knockout and 5 by submission and 24 bouts. De Naples en Floride, from Naples, Florida, USA, please welcome Crafton Blaze Wallace! Son adversaire dans le coin, Core Fit Living. Portant le plus noir et pesant, 185 livres. Across the ring, fighting on the Core Fit Living corner, wearing black trunks and weighing 185 pounds. Il a une fiche professionnelle de 15 victoires, dont 6 par KO et 3 par soumission en 22 combats. His professional record shows 15 wins, including 6 by way of knockout and 3 by submission and 22 bouts. De Mont-Saint-Hilaire, from Mont-Saint-Hilaire, Quebec. Ladies and gentlemen, il est de retour chez lui au Québec. Voici The Predator, Patrick Côté. Bien, face à face, messieurs, Crafton Wallace, âgé de 39 ans, 2 pouces plus grand que Patrick Côté, mais seulement 1 pouce de plus de portée. Donc vraiment, messieurs, là, au niveau de quoi, que ce soit de la grandeur, de la portée, il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là, je pense. On en discutait hier quand on regardait les deux combattants. C'est vraiment, on regarde quasiment dans le miroir, à part le côté Muay Thai, boxe thaïlandaise, pardon, de Crafton Wallace, qui est un peu plus développé que celui de Patrick Côté. Et c'est vraiment des combattants à l'image l'un de l'autre. Et c'est parti, messieurs, au Crafton Wallace qui va d'un coup de pied. Vraiment voilà, très, ça... très agressif dès le départ. Crafton Wallace, là, qui est venu travailler ici ce soir. Crafton Wallace, 18 victoires en carrière, dont 13 au premier round. Ça part très agressif avec beaucoup d'acrobatie de la part de Wallace. Et Patrick Côté, agressif, fonce vers son adversaire, tente de prendre contrôle de la cage de l'octogone. Les deux adversaires bougent très, très bien. Ah oui, c'est un combat de très, très haut niveau. Déjà en partant, on le voit tout de suite. Et la droite de Côté là, qui a atteint Crafton Wallace. On voit ici que Patrick Côté n'est pas venu pour s'amuser. Il s'est entraîné très fort, une très bonne stratégie. Par contre, on a Wallace aussi qui bouge très bien. Lui aussi a dû s'entraîner très bien. Lui aussi veut monter les échelons. Ça aurait pu porter à confusion avec son entrée avec le ballon de plage et tout ça. Je suis encore un peu sous le choc de voir Patrick Côté comme ça. Bon coup de pied, bien bloqué. Très bien bloqué par Patrick Côté. Côté qui continue, un petit jab là, qui a presque touché. Côté qui continue de prendre le contrôle de l'octogone. Quelques bons coups. Très belle agressivité. Voilà. On voit ici que Côté n'est pas du tout intimidé par la force de Wallace. Pas du tout. Oh! On voit ici. Très agressif. Continue. Wallace qui tente de se protéger du mieux qu'il le peut. Mais le coup de Patrick Côté a définitivement porté sur Crafton Wallace. Déjà ce premier round. Et Côté là, qui tente une projection. Oh! Le soulève. Et voilà. Belle projection ici. Sans l'avoir fait très mal à son adversaire. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Là, Crafton Wallace, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a une blessure au genou ici du côté de Crafton Wallace. Oh là! Confusion ici dans la cage. C'était une très, très belle projection de Patrick Côté. Crafton Wallace là, qui visiblement ne pourra... Ah non, là, vraiment le genou. C'est terminé, messieurs. Ah oui, c'est terminé. L'homme de coin de Wallace vient de donner la main à Patrick Côté. Je crois que c'est terminé. Écoutez, ça s'est passé d'une manière très bizarre, mais ce fut une très, très belle projection de la part de Patrick Côté. Ça lui vaut et ça lui mérite cette victoire. C'est sûr que c'est plate pour les spectateurs et pour nous-mêmes, mais la projection était très bien faite.
Je crois pas que c'est, je suis pas certain si c'est officiellement terminé. Wallace qui parle au médecin ici. Au départ, je croyais... C'est terminé. Voilà, c'est terminé, messieurs. Légère déception quand même.